Didier, Manchester United, est-ce que c'est pas le meilleur tirage possible? Pour moi, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Il y a l'affiche, mais c'est jouable. C'est l'Argentine contre la France. Mm-hmm. Tu vois, au lieu de tomber contre le Nigeria et risquer une mésaventure, c'est-à-dire, tu vois, il y avait des clubs effectivement peut-être moindres au niveau prestige. Mais Manchester United, quand même, là, pour le coup, si tu peux pas éliminer ce Manchester United-là, bon, bah là, il faut faire autre chose. Oui, enfin, c'est pas. Parce que quand même, quand tu vois Neymar, Cavani, Mbappé, tout ça, moi je vois un peu la défense centrale de temps en temps de Manchester United. Bon, après, il y a De Gea, c'est un coup fantastique, le meilleur gardien du monde. Des fois, c'est moyen, c'est sur deux matchs, c'est particulier. Mais le PSG éliminerait un grand d'Europe et, a priori, a beaucoup d'atouts pour le faire. Donc, pour moi, c'est la même chose que la France qui rencontre l'Argentine. Tu as beaucoup à gagner. C'est un grand nom malade. Voilà, c'est quand même excitant. Voilà. C'est quand même mince. C'est Manchester United, c'est Old Trafford, c'est l'histoire et tout. Mais c'est quand même une équipe qui a un petit relativement moyenne, ou normalement, qui est supérieure.